Salut tout le monde, c'est Nasaktu, on va regarder une story de Momo Aîné à propos de Messi qui pleure. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Sa famille, sa femme, ses enfants, François Pinet, il était entré dans le club à l'âge de 13 ans. Oui, c'est 21 ans de la vie d'un homme là que l'on voit ici. Voilà, les Parisiens, vous avez tué le foot. Voilà, vous avez tué le foot. Je croyais que c'était une blague, mais non, Messi, pas vraiment. Pas possible, Messi. C'est pas possible, les Parisiens, vous cassez les couilles. Il parle vraiment. Je croyais que c'était une blague, moi. J'y crois pas. Oh là, j'attendais jusqu'à la dernière minute, la conférence de presse. Je me dis non, c'est pas possible. Même pas à la commencer, je vois Messi, il pleure. Comment vous voulez pas que je pleure, frère? Oh là, comment vous voulez pas? C'est pas possible ce qui se passe. C'est incroyable. Le meilleur, qu'est-ce qui se passe? Dégue, les gars, toute ma vie, j'ai grandi avec Messi. J'ai plus de repères, là. Le PSG, vous tuez le foot. Messi, c'est pas n'importe qui. D'accord? C'est très important pour nous. Vous le prenez comme si c'était un vulgaire produit. Comme si c'était que du business. Il n'y a pas de business autour de Messi. Il y a de l'amour aussi. Et vous, les Parisiens, vous en battez les couilles de l'amour. Vous, c'est que le pognon, c'est que le fanatisme. C'est tout. D'accord? Nous, Messi, c'est plus qu'un joueur pour nous. Il nous a fait du bien. Il nous a beaucoup apporté. Il a beaucoup remporté aussi. Et vous, vous êtes là, vous le prenez. En une nuit, un chèque, et vous achèterez jamais l'honneur. L'honneur et la reconnaissance. Oh là, vous l'achèterez jamais. Vous serez jamais respecté, Messi. Faut que je sois fort dans ce moment-là. Oh là. Faut pas lâcher. Accord de principe entre Messi et le PSG, incroyable. Ça se précise de plus en plus. Tête de noisette, Mbappé et Khalifa. Voilà les amis, je m'étais promis de ne pas pleurer. Et quand j'ai vu Messi en conférence de presse chialer, là j'ai pas pu retenir mes larmes les gars. Là c'était trop, voilà. Après avoir longuement réfléchi et après en avoir discuté avec personne, j'ai pris la grande décision de réfléchir encore un peu. Faut que je sois fort pour mon fils. Faut que je m'accroche. Sérieusement les gars, j'ai bien réfléchi et j'ai trouvé une solution pour noyer ma tristesse. Faut que je devienne riche, que je gagne de l'argent, que je rachète l'OM et après j'achète CR7. J'ai suivi le truc. Il a une diabète, donc je vous dis les gars, il a assez... Moi, c'est ça dans la crypto-monnaie, c'est un live event. C'est pas le cas. Match. Les amis, ce soir. Les Parisiens acheter Neymar, Messi, Mbappé, Sangoku, Iron Man, Aquaman, laissez-les les gars, voilà. L'OM n'a pas à rougir de son recrutement, voilà. On peut dire ce qu'on veut sur le recrutement du PSG, Messi et tout, le recrutement le plus complet, voilà que c'est nous on l'a fait. La vie de ma mère, c'est l'OM qui l'a fait. On a fait un recrutement intelligent. Les Parisiens, ils ont recruté que des attaquants. Messi, ils vont le mettre au goal. Voilà les gars. Notre recrutement, il est intelligent. Il est complet. On n'a pas fait les pigeons. On a acheté des vrais génies. Ils ont acheté Messi le vieux. Il est vieux, Messi. Nous, on a acheté le nouveau Messi, les gars. Voilà. Under, l'argent n'a pas d'under.
gratuit presque, on l'a eu. Voilà, avec Conrad de la Fuente, son nom de famille, on dirait un cartel. Conrad de la Fuente, il va feinter toute la Ligue 1. Première victime, Montpellier, ce soir. Première victime de la faucheuse marseillaise, Montpellier. Première victime d'une longue série, les gars. Voilà, allez, le Brésil. Voilà, le meilleur recrutement, c'est nous. Allez, Messi, incroyable! Incroyable, ce mec, les gars! Oh, misère de misère. Oh là, je vais péter un câble, les gars. Non. Fais chier, bordel! Oh, misère de misère. L'OM dit adieu au titre. Déjà? J'arrive plus à respirer, oh là. Oh là, on est encore plus nul que l'année dernière. Je vais péter un câble. Oh là, que la play, je vais l'exploser. C'est la vie de m'emmener. J'arrive plus à respirer, oh là. Allez, Ender. Oui, oui. Allez, là, bande de gouttes de brel. Ender, allez. C'est sûr qu'on fait une très bonne entame avec un but qui est malheureusement hors jeu. Après, voilà, on voit, ils ont trois occasions, ils mettent deux buts. Nous, on en a au moins huit. On n'est pas. On doit être plus sûr. Donc voilà, je pense qu'en deuxième mi-temps, on va revenir. On va essayer d'être plus efficace, défensivement comme offensivement. Et, voilà. Et sexuellement aussi, mon pote. Faut qu'on... Le drapeau de l'Algérie. Quoi, 2-0? Là, on perd contre le cours du jeu, les gars. La vie de ma mère. C'est maintenant ou jamais. Hop là. Maintenant ou jamais, frère. Remontada express. Ça arrive, là, tu vois. Ça arrive. Imagine. Imagine. Juste imagine. Imagine. Magnifique. Magnifique. Le Messi. Oh là, que le nouveau Messi, il est chez nous, les gars. Il est incroyablement doué. C'est historique, les gars. Et Payet, c'est un nain. Avec ses couettes de merde, là. Oh là. Il peut même pas mettre de tête avec ses couettes. Oh là, que c'est incroyable. Incroyable. Allez, tire. Tire. Incroyable. Allez, tire. Voilà une reprise de mollet. Putain. On pousse. Allez, Conrad, de la feinté, la feinté. Allez, allez. Ouais. Ouais. Ouais, Ender. Pète-moi le cul, Ender. Pète-moi le cul. Tous un. Tous d'ordre. Tous un. Allez, Ender. Et je suis là, Ender. Montpellier, VSOM. Messi est prévenu. Incroyable. Incroyable. 2-3. Il a gagné 900 euros. Incroyable remontada de l'Olympiakos de Marseille, de l'Olympique de Marseille. Incroyable. Et Messi qui a effectivement pleuré à la conférence de presse. Et ça se précise, sa venue au PSG. Ça se précise, il y a un accord de principe. Donc, Mohamed Deni, il est doublement triste, on va dire. Parce qu'il va au PSG. Et voilà, ça risque d'être dur de battre le PSG pour l'OM et pour le titre et pour tout ça. Ça va être encore plus difficile. Mais c'est pas ça qui lui fait le plus mal. Parce que finalement, avec Neymar, avec Mbappé, avec Ramos, on sait que sur le papier, voilà, ils sont forts, le PSG, que ça va être dur. Ça, on est conscient, tout le monde en est conscient. Ce qui fait mal au cœur, c'est que, en fait, Mohamed Deni, il avait comme idole Messi toujours. Et il voit son idole aller dans le club qu'il déteste le plus au monde. C'est voilà, c'est surtout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.